Je commence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal du confinement. Ça va être une édition un peu spéciale ce soir, parce que je vous avais promis qu'on allait retenter d'inviter plus largement et d'inviter des personnes à venir nous rejoindre sur ce live. L'objectif, c'est qu'on puisse continuer à échanger, discuter, réfléchir ensemble, en ne confinant pas nos esprits, en réaction à l'actualité et les prochaines étapes, notamment du déconfinement. Et on sait qu'une des étapes essentielles et une parmi les questions les plus importantes qui se posent à l'heure actuelle dans la perspective du déconfinement, c'est la question de l'école et de la reprise de l'école. C'est pour ça que c'est ce sujet que l'on voulait aborder ce soir avec vous, avec une super invitée. On a invité à nos côtés, qui va nous rejoindre ensuite dans le live, Emmanuelle Joshua. Emmanuelle Joshua, elle est enseignante d'histoire, géographie et de lettres au lycée de l'Estaque à Marseille, qui est un lycée professionnel. On va avoir l'occasion de discuter avec elle à la fois des modalités pratiques de reprise de l'école et à la fois des questions qui sont posées plus largement par cette période de confinement, un enseignement qui se fait dans des conditions très particulières, y compris qui va perdurer dans les semaines à venir, et des questions derrière qui se posent d'inégalités qui se creusent. Voilà ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. N'hésitez pas évidemment à partager ce live très largement et surtout à nous poser vos questions directement. Par nous poser vos questions, j'entends à Emmanuelle avant tout et à moi, mais surtout à Emmanuelle, parce qu'on a la chance d'avoir à la fois une enseignante de terrain, une enseignante qui enseigne dans des quartiers populaires, dans les quartiers nord de Marseille. Elle aura l'occasion de nous en parler, et donc qui est confrontée à la fois aux modalités pratiques du déconfinement, mais aussi aux questions sociales qui sont posées. Et donc on a la chance de l'avoir avec nous ce soir, donc n'hésitez pas plus largement à nous poser les questions, et moi je serai votre porte-voix, je relayerai toutes les questions qui peuvent se poser. On en a évidemment beaucoup, des questions pratiques de déconfinement, des modalités d'organisation dans les différents établissements scolaires, mais évidemment aussi des questions politiques. Et donc on va aborder toutes ces questions-là. D'abord, peut-être en petite introduction pour ce live. N'hésitez pas aussi à nous dire, je vois que les gens commentent, mais n'hésitez pas à nous dire si ça marche bien, si tout va bien en termes de son, etc. Parce que c'est un petit exploit pour nous aussi de réussir à faire marcher à distance un live avec plusieurs personnes dessus. Donc j'espère que tout marchera bien. Et d'ailleurs, merci à l'équipe qui rend ça possible. Donc, en petite introduction. Bon, on a tous suivi ça. Emmanuel Macron nous annonce, on doit le dire de manière un peu inattendue, que la reprise de l'école se ferait le 11 mai. Ça, on se souvient tous, c'était lundi de la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. Dès le lendemain, Monsieur Blanquer, qui est le ministre de l'Éducation, commence à apporter certaines précisions et commence à nous dire non, mais ce sera pas forcément toutes les écoles en même temps. Pas exactement de la même manière dans tous les territoires, et puis finalement l'école sera pas obligatoire. Bref, on voit que des nuances commencent à être apportées sans forcément préciser les modalités exactes de reprise de l'école. Et on sait que une des questions qui prédomine derrière, c'est la nécessité de derrière d'envoyer les enfants à l'école, c'est de faire en sorte que les parents retournent bosser. Et c'est aussi une des premières raisons pour lesquelles ils renvoient les enfants à l'école. Et c'est une des questions qu'on va aborder juste après avec Manu. Mais depuis, on a eu quelques précisions quand même sur le calendrier, avec une reprise donc progressive à partir du 11 mai. Mais dans la semaine du 11 mai, d'abord les grandes sections, les classes de CP et celles de CM2. Puis, à partir du 18 mai, collège, 6e, 3e et lycée, et la semaine du 25 mai, tous ceux qui sont restants. Avec plusieurs possibilités qui sont offertes aux familles et donc aux élèves, soit de venir en classe, soit de continuer à faire
à suivre les cours à distance, qui posent évidemment plein de questions pratiques, soit d'aller dans des études, si ça peut être organisé par les établissements scolaires. Donc, il y a ces différentes options qui sont offertes, forcément, qui ne simplifient pas aussi l'organisation. Et parmi les indications qui sont données pour la cantine, de remplacer quand cela est possible par des sandwicheries. Bon, là aussi, ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair non plus si le port du masque doit être obligatoire, ni comment les fameux gestes barrières peuvent être appliqués, en particulier par des jeunes enfants et des jeunes élèves. Voilà où on en est à l'heure actuelle des informations dont on dispose. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu organiser aujourd'hui ce live, parce que vous avez été très nombreux à nous poser des questions lors du dernier live sur spécifiquement la reprise de l'école. Donc, je vous propose qu'on essaie d'y répondre ensemble. Et je le dis d'ores et déjà, notre objectif ici, c'est pas de répondre à la place du gouvernement et d'apporter toutes les réponses à la manière dont ça doit se dérouler de manière pratique, mais en tout cas, de soulever ces questions. Je pense que c'est notre rôle, politiquement et à l'aide des syndicats qui jouent leur rôle, de s'interroger sur la manière dont ça doit se passer pour que ça se passe dans les meilleures conditions, à la fois pour la santé d'abord, et ça doit être la priorité de nos élèves, des familles et des enseignants, mais aussi pour que d'un point de vue pratique, ça se déroule de la meilleure manière possible et que ça ne creuse pas non plus des inégalités sociales, parce qu'en fonction des options choisies, vous pouvez aussi faire sortir du système scolaire une partie des élèves, et c'est déjà en partie le cas, ça vient que renforcer des inégalités scolaires qui sont importantes. Donc, je vous le disais, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Emmanuel Jechoix qui nous rejoint. Donc, normalement, si tout va bien sur le live, elle doit apparaître maintenant à vos écrans. Je vous le disais, Emmanuel, elle est enseignante dans un lycée des quartiers nord de Marseille, le lycée de l'Estac, qui est un lycée de taille moyenne. Tu nous diras la manière dont ça se déroule spécifiquement dans ton lycée. Donc, il y a la spécificité à la fois d'être une syndicaliste, et il en faut, et on la remercie de se battre pour les droits des enseignants. Soit dit en passant, tu nous diras ce que tu en penses. On vous demande d'aller aux fraises, et puis juste après, on se rend compte que quand même, vous êtes un peu important. Mais donc, qui à la fois défend les enseignants et qui est syndiqué à la CGT Éducation, mais qui aussi enseigne l'histoire géo et les lettres dans un lycée professionnel, donc dans un quartier populaire, dans le quartier nord de Marseille, et qui pourra nous dire aussi la manière dont ça s'est passé. Donc, bienvenue à toi. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Je vais peut-être démarrer de but en blanc une première question, qui est évidemment la question que je pense qu'on a tous. Et là, je me fais votre porte-parole à vous tous qui nous regardez. Est-ce que tu as compris pourquoi le 11 mai ? Non, en fait, nous, on a pas du tout compris pourquoi le 11 mai. Avec le recul, qui sont pas du milieu enseignant ou proche des milieux professionnels, proches des enfants, je pense que c'est parce qu'il fallait donner une date et que les gens en ont assez d'être confinés. Et enfin, dernier point, je pense que pour le gouvernement, c'était un symbole en fait assez fort, c'est-à-dire on commence le confinement avec la fermeture des écoles et on sort de la crise sanitaire avec la réouverture des écoles. Et donc c'était l'idée que bon, regardez, on a bien agi et donc maintenant en fait on va repartir comme c'était avant. Et en fait c'est ça qui nous a surpris, parce qu'en fait ça pourra pas être comme c'était avant, pour la simple et bonne raison déjà que l'épidémie n'est pas en idée. Et donc, quand la date du 11 mai est sortie, honnêtement, le milieu enseignant et tous les gens qui s'occupaient des enfants, on pensait, se sont couchés en se disant, bon, marchera pas. Et puis là, on voit que bon, c'est ce qui va se passer. Donc, on réfléchit. Et est-ce que le calendrier précis qui a été donné depuis te rassure? Ou est-ce qu'au contraire, elle t'inquiète? Moi, comme ça, sans être une spécialiste du monde de l'éducation, je me dis, bon, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il renvoie plutôt les jeunes élèves, entre guillemets, à l'école d'abord, et que les lycées vont être les derniers à rentrer en classe. Bon, il y a assez peu d'écart en termes de jours, mais on a un peu le sentiment que vous allez servir de garderie dans la tête du gouvernement pour faire en sorte que le plus rapidement on a renvoyé les enfants à l'école, notamment les enfants qui ne peuvent pas se garder tout seuls, le plus vite les parents peuvent retourner travailler. Oui, de toute façon, c'était un peu présenté comme ça, parce qu'on sait qu'y compris dans les pays qui déconfinent,
les écoles maternelles et les crèches encore moins sont absolument pas données comme prioritaires dans la reprise de l'école. Donc, c'était véritablement pour dire, bon, on s'occupe de vos enfants et puis vous allez travailler. Et là-dessus, c'est ajouté la deuxième, une deuxième surprise pour nous, c'est cet amour subi pour les classes populaires. Alors, d'un coup, on a découvert qu'il y avait des lycées professionnels, qu'il y avait des classes populaires et que tout ça, et que l'école avait un rôle social assez déterminant. Ce qu'on disait quand même depuis... quand on est syndicaliste depuis très longtemps, mais bon, depuis les deux dernières années, de manière assez marquée. Et donc, les deux faisaient alibi, en fait. Il faut reprendre l'école parce que les enfants sont des aides sociales, ce qui est vrai. Et de toute façon, on reprendra l'école. Mais ça veut dire qu'il faut évidemment qu'on réfléchisse, qu'on invente. Et la deuxième raison qui nous met mal à l'aise, en fait, parce que, en général, les enseignants, mais les agents, enfin, tous les gens qui sont, en général, les gens qui sont dans la fonction publique avaient envie de reprendre le travail. Mais ce qui nous a mis un peu mal à l'aise, c'est que en reprenant, c'est pas simplement en tant qu'agent qu'on a peur, c'est en tant que propagateur de l'épidémie. C'est-à-dire, on n'a pas de contrôle sur ce qui va se passer dans les écoles, pas de vrai contrôle réel. Et alors là-dessus, l'affaire du masque qui n'est pas obligatoire, pour nous, c'est l'idée que le 11 mai, c'est juste infaisable. Sans masque, alors je mettrai les écoles à part parce que ça pose quand même la question du masque, mais sans masque dans les lycées, c'est peu ou pas envisageable. Oui, d'ailleurs, ça permet de faire la transition avec les modalités pratiques qui ont été annoncées. Toi, de ton point de vue, à la fois la manière dont ça va s'organiser dans ton établissement et de ce que vous avez pu discuter au sein de ton organisation syndicale, comment vous voyez les choses par rapport aux conditions sanitaires pour faire en sorte de protéger à la fois les enfants et les enseignants? Et l'ensemble du corps, d'ailleurs, il n'y a pas que des enseignants hein, qui évoluent dans un établissement scolaire. Et il y a Jean-Christophe qui nous pose une question qui est assez liée à ça, qui nous dit comment les gens peuvent-ils reprendre le travail si les enfants ne sont pas à plein temps? Parce qu'en effet, une partie des annonces sur les modalités pratiques, c'est que vous aurez des demi-classes, en gros, des effectifs de 15 maximum. Mais la difficulté, c'est que il y a plusieurs questions derrière. La première question, à mon sens, c'est du coup, que font les 15 autres élèves? Et donc, d'où la question de Jean-Christophe. Est-ce que ça va dépendre des moyens financiers de l'établissement ou de la commune pour organiser des activités périscolaires pour faire en sorte que ces élèves soient gardés, entre guillemets, et que les parents puissent aller travailler? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est pour vous, enseignants, si vous occupez de demi-classe et qu'on laisse le choix et la liberté aux parents d'envoyer leurs enfants ou pas à l'école, bah, comment vous faites pour enseigner en même temps en physique à vos élèves que vous avez, votre demi-classe que vous avez avec vous, et en même temps à distance pour les enfants qui ne viendraient pas à l'école? Alors, je sais que vous avez plein de pouvoirs et que vous pouvez en même temps aller ramasser les fraises et donner cours. Mais là, c'est limite, on va vous découper en trois pour vous occuper des élèves dans la classe, ça. Des élèves en dehors de la classe et en plus aller aux fraises, quoi. Non, mais t'ajoutes là-dessus, et après je répondrai plus précisément, t'ajoutes là-dessus le fait que respecter des gestes barrières, y compris dans les locaux, c'est très compliqué. Et 15, par exemple, nous, on était restés à ce que donnent les organisations mondiales de santé, c'est pas plus de 10. Donc déjà 15, le nombre est déjà très élevé. Et la deuxième chose, c'est que dans les réflexions qu'on avait, c'était beaucoup, bon, peut-être on prend certains le matin, d'autres l'après-midi. Donc là, en fait, c'est un étalement avec des critères qui sont pas très clairs, parce que par exemple, les grandes sections de maternelle, là, elles n'ont pas un besoin de préparer l'entrée au CP tel que on pourrait dire pour des troisièmes de préparer l'entrée en seconde. Bon, mais bon, imaginons même ça. Du coup, ça ne répond pas à la question, on va dire, de la garderie, parce que évidemment l'école c'est déjà pas la garderie. Donc première chose, ça répond pas à la question de la garderie parce que
À ça s'ajoute la question de la quantité, c'est-à-dire que dans les établissements, il n'y a pas que des enseignants, loin de là, et donc il y a tout ce que sont les agents. Et les agents, ils disent la cantine, c'est juste ingérable, y compris sanitairement, de garantir quelque chose qui ne soit pas contaminé. Donc, nous, on avait imaginé des fois les écoles, des fois des élèves le matin, des fois les élèves l'après-midi, et puis étaler sur la semaine. Donc, en fait, ce sur quoi on s'oriente, c'est beaucoup moins d'écoles en présentiel. Et ça, c'est un vrai problème parce que nous, on est pour l'école en présentiel, parce que pour toutes les raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, mais on est pour l'école en présentiel. Sinon, ce n'est pas l'école. Mais en même temps, l'école avec des masques, des gestes barrières, imaginons que tout ça soit mis en place. Du gel hydroalcoolique, de ne pas toucher les objets, de ne pas se toucher entre soi, de ne pas aller dans une cour de récré parce qu'il n'y a pas de verre. Tout ça, franchement, honnêtement, ben, ce n'est pas l'école. Alors, bon, c'est une garderie, c'est la fonction publique d'éducation, on prend notre part. Mais on a le sentiment qu'on nous jette la patate chaude, on nous dit inventer. Et or là, c'est une pandémie mondiale. Donc, inventer, ça devient très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que, y compris si malheureusement ça dure jusqu'en septembre, il va falloir se poser la question. Et donc, ça pose la question de la double, voire pour des parents, enfin, pour des enseignants parents d'enfants, de la triple journée. C'est-à-dire, on va avoir des élèves en présentiel, des élèves qui seront derrière leurs écrans. On va avoir des enseignants et enseignantes ou des agents qui vont être responsables de leur propre école à la maison, si jamais ça pouvait exister. Et donc, ça devient une espèce de casse-tête chinois. Donc, nous, ce sur quoi on est en fait, et qui devrait être politiquement le discours, c'est de dire, c'est pas pareil. Ça va être très lent en fait. Voilà. C'est comme, parce qu'on a l'impression que tout se focalise sur l'école. Mais si on veut moins de gens dans les transports, il faut réduire le temps de travail. Et donc, en fait, régler le problème par le biais de l'école, c'est faussement le régler. Il faut régler l'idée du temps de travail. Et ça demande un immense chantier. Ce n'est pas du tout en train de faire le gouvernement. Ce n'est pas du tout ce à quoi ils réfléchissent. Par exemple, je vais donner qu'un exemple. Parce que les gens, ils sont assez ingénieux, en fait. Ils trouvent des idées. On a tout un problème sur qu'est-ce que ça veut dire de faire un cours avec un masque, bon, pour l'élocution, etc. Donc, il y a plein d'enseignants ou tous ceux qui accueillent le public qui sont sur le plexiglas, le casque avec nous. Voilà. Ça, si on veut réfléchir à ces choses-là, il faut du temps. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Sachant qu'en plus, il est… Et vous n'avez pas été consulté en plus. Non, on n'a pas été consulté. Et puis surtout, il y a la véritable question de l'obligation du masque. Parce que si tu veux, sur les enfants, l'INSERM dit que ce n'est pas une bonne idée. Mais pourquoi ils disent que ce n'est pas une bonne idée ? Parce qu'en fait, les enfants, ce sont des êtres sociaux. Donc, en fait, ils vont ressortir. S'ils sont contaminés, ce qu'on ne peut pas garantir, parce que bon, les enfants, c'est les enfants, voilà, ils vont toucher. Bon. S'ils sortent contaminés, les miens, c'est des ados. Ils vont prendre des bus qui sont bondés. Et donc, ils vont rencontrer des tas de gens sur lesquels on n'a pas le contrôle. Et donc, ils sont facteurs de contamination. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fermé les écoles. C'est pour cette raison-là. Et donc, ça veut dire que tout est à réinventer et que toutes les questions là où comme tu l'expliques bien, toutes les questions qui avant étaient un problème deviennent des énormes problèmes. Alors, la question du transport sur Marseille, c'est une question centrale et ben là, ça redevient une question qui est encore plus centrale. Et du coup, sachant que officiellement l'école ne sera pas obligatoire et on a bien compris que les modalités pratiques d'organisation de l'école pour le 11 mai sont très, très loin d'avoir été réglées. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire de ce que tu décris. Il y a Nathalie qui pose la question, est-ce que l'on peut refuser à ce que notre enfant retourne à l'école ? Et quelles questions, en fait, ça pose derrière le fait que certaines familles vont faire le choix de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et on peut les comprendre, mais en même temps, voilà, qu'est-ce que tu répondrais, toi ? Alors, depuis hier, le ministre a dit oui. Il n'y aura pas d'obligation scolaire. Alors, ça pose deux problèmes. D'abord, ça pose le premier problème qui est le problème du fait que les gens n'ont pas véritablement confiance de manière sanitaire, parce que sinon, ils déposent leurs enfants à l'école. Bon. Le deuxième problème, c'est que nous, on ne peut pas garantir que ces choses-là vont bien se passer. Donc, qui va déposer ses enfants à l'école ? Ceux et celles qui n'auront pas le choix. Voilà. Et qu'en plus,
Quand une maman déposera, souvent les mamans vont déposer leur enfant, elle sera inquiète. Et donc, elle demandera, mais tout va bien se passer? Et nous, on dira oui, parce qu'en général, c'est ce qu'on appelle maintenant, nous, on a une expression, c'est le syndrome Buzyn. C'est-à-dire, une fois que les choses sont lancées, on ne peut pas dire à un papa ou une maman qui dépose un enfant, non, ce n'est pas terrible. Bon, voilà. Donc, on ne le dit pas. Et effectivement, dans les quartiers populaires, ça va poser d'énormes questions. La deuxième chose, c'est que l'idée qu'on reçoit uniquement les enfants qui n'arrivent pas, enfin qui étaient en décrochage scolaire, en fait, c'est la même chose. Nous, on s'est aperçu qu'au début, l'idée, parce que nous, on l'avait eue hein, en tant que syndicaliste et puis militant de quartier, de dire bon, on les renvoie à l'école, puisque. Et en fait, il y a des parents qui nous ont dit non, mais ça va pas. Pourquoi vous allez prendre d'abord que nos enfants, pourquoi les nôtres, ils iraient à l'école, etc., jusqu'au 4 juillet. Et ensuite, souvent, ce sont des gens qui vivent avec plusieurs générations dans leur maison. Alors, soit les très grandes fratries, où des fois les parents sont plus âgés, soit effectivement, quand la grand-mère est garde d'enfants, dans les villes comme la mienne, où les gardes d'enfants sont très réduites, c'est souvent les grands-parents qui s'occupent des enfants. Et souvent, des fois, ils vivent ensemble. Donc, ça veut dire que l'idée de la séparation entre générations, dans les quartiers populaires, elle n'est absolument pas nette. Voilà, on peut s'en féliciter, mais par contre, au niveau de la pandémie, elle est problématique. Et donc, du coup, quel problème tu vois que ça pose spécifiquement pour les quartiers populaires? Et j'ai envie de dire, peut-être en regardant à la fois dans le rétroviseur, sur ce mois et demi qui fera 2 mois au final de confinement complet, entre guillemets, et au moins là, la fin de l'année scolaire, mais on peut même se projeter quasiment jusqu'au début d'année prochaine, d'année scolaire prochaine, sur le fait que on a d'un côté certaines familles, tu l'as dit, qui n'auront pas le choix d'envoyer leurs enfants à l'école, et plutôt des familles défavorisées qui n'ont pas d'autres alternatives, parce qu'on comprend bien que quand on est caissier, on n'a pas le choix, il faut aller bosser, et donc si on peut envoyer son enfant à l'école, on l'envoie, alors que si on est cadre sup, on peut le garder à la maison. Et donc, quel impact ça pourra avoir, notamment en matière d'inégalité scolaire? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, maintenant, on aurait pu élargir le champ des métiers prioritaires. Voilà, parce qu'il y avait un problème sur ça. Donc, nous, maintenant, plus on réfléchit, plus ça aurait été ça l'idée. C'est-à-dire, il y a des métiers prioritaires, et cela, on fait en sorte d'avoir un véritable accueil, d'avoir un véritable accueil scolaire. Bon, donc, ce n'est pas sur ça qu'on s'oriente. Je me souviens plus de la question, j'ai oublié. Et du coup, quel est pour toi l'impact, le fait que ce soit organisé de cette manière-là, et avec ta connaissance de au moins la perspective de Marseille et des quartiers? Pour qui vit dans les quartiers populaires, on a vite vu que le confinement, c'était hyper compliqué. Voilà. Bon, nous, sur Marseille, on a eu une incurie de toutes les institutions. Il y a vraiment en région, département, municipalité. Donc, il y a beaucoup de réseaux de solidarité qui se sont mis en place, qui étaient à la fois des réseaux de solidarité qui ont toujours existé sur Marseille, mais qui étaient des réseaux de solidarité aussi liés aux effondrements de la rue d'Aubagne du 5 novembre, etc. Et là, il y a toute une partie de la population qui vit de ce qu'on appelle le système D, les ménages, les travaux qu'on faisait à droite à gauche pour compléter le mois, mais aussi tous ceux qui étaient qui travaillaient que au noir et où leur activité a été supprimée. Tous ces gens-là se sont retrouvés dans une situation catastrophique, ce qui a donné la mise en place de distribution alimentaire. Et nous, ce qu'on voit sur l'école, et ce sur quoi on s'est battu les 15 derniers jours de manière intersyndicale et aussi avec les associations qui s'occupent de ce type-là de problèmes, c'est que jusqu'à l'annonce du 11 mai, cette question-là n'était pas prise en compte par l'éducation nationale. Il n'y a eu aucune structure d'urgence sociale depuis la fermeture de mars. Aucune. Et même, je vais te dire même plus, les trésoreries ont été fermées. C'est-à-dire que les principaux n'avaient plus la main sur l'argent. Ce qui est complètement paradoxal, c'est que comme les écoles ne fonctionnaient pas, on avait de l'argent qu'on ne dépensait pas. Électricité, frais de bouche, tout ce qui était bon. Cet argent, si vraiment il y avait eu une volonté sociale globale, il aurait dû être distribué dans ce qu'on appelle le déclaratif. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple qui touche
pas les quartiers populaires, mais que tout le monde peut comprendre. Je suis un enfant d'un restaurateur. Je ne touche pas de bourse. Du jour au lendemain, mes parents n'ont plus d'activité. Il me faut de l'argent pour vivre. Bon. Et nous, c'est pour ça qu'on insiste sur le déclaratif. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas eu de blocage des loyers. Il n'y a pas eu de blocage des factures énergétiques. Il n'y a évidemment pas eu de blocage de tout ce que sont les remboursements de prêts bancaires. Voilà. Bon, tout ce qu'on a offert au premier de cordée, ben, à ceux des tranchées, on ne l'a pas offert. On ne l'a pas offert et même on ne l'a pas envisagé. Et nous, une des difficultés sur l'annonce de la reprise du 11 mai, c'est qu'on va prendre pas ceux qui sont tout bas, parce que pour eux, c'est très dur, mais même ceux qui avaient le droit au chômage technique. Si l'école a repris officiellement, il n'y a pas de raison d'avoir un chômage technique, un complément, des aides, etc. Et donc, le message qui est passé une fois que l'école est ouverte, c'est qu'il n'y a pas de raison, en fait, économiquement, à ce qu'on règle le problème social. Voilà. Et ça, c'est catastrophique. Et la deuxième chose catastrophique qu'on dit, nous, depuis des années, c'est l'absence de médecine scolaire. Bon, alors, la médecine du travail, n'en parlons pas, mais l'absence de médecine scolaire, c'est vraiment le secteur qu'on a raboté dans l'éducation nationale. Et dire on fait une vraie reprise sanitaire, à ce jour, par exemple, quand ils disent on observera les clusters, à ce jour, ça n'est pas vrai, il n'y a pas de personnel médical pour observer les clusters, il n'y en a pas. Et donc, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire que nous, on a envie de reprendre l'école, on a plein d'idées, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est, une fois de plus, on est sur de la communication, et que dès qu'on propose des choses concrètes, comme par exemple une aide sociale immédiate déclarative, là, ça se perd dans les méandres. Parce que bon, c'est... Voilà, après... Et puis d'ailleurs, le 11 mai, l'école reprend. Le 15 mai, il y a l'aide. Et puis voilà, et c'est fini, terminé. Et pour eux, c'est un peu comme si l'école avait repris de manière normale, alors qu'en réalité, l'épidémie, elle est pas passée et que ça suppose d'adapter complètement la manière dont vous fonctionnez. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'effet déclic à partir du moment où, en effet, l'école a repris. C'est que le monde peut reprendre sa marche normale, quoi. Oui. Non, je vais continuer les questions parce qu'il y a, je vais revenir sur quelques questions de modalité pratique. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions à Emmanuel et je m'en ferai votre porte-voix, à la fois des questions pratiques ou des questions de ce qu'elle peut penser sur la reprise de l'école le 11 mai. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de commentaires de gens qui disent bon, les gestes barrières, c'est impossible avec 15 enfants dans une salle. Voilà. C'est vrai que je t'imagine mal être derrière chaque enfant pour faire la police en disant attends, mais là, tu n'as pas respecté les règles, tu es à moins d'un mètre de l'élève juste à côté. Non, mais pour tous ceux qui ont plus de, mais même plus de 5-6 enfants, des fois les gens, ça leur arrive à un anniversaire. Imaginez un instant qu'on va pouvoir dire à voilà, et puis en plus, c'est pas ça le souci, c'est pas qu'ils se touchent parce que effectivement, il semblerait qu'ils soient moins contagieux, c'est ce qu'ils vont ramener à l'extérieur ou ramener de l'extérieur. Et c'est ça qui est problématique en fait, c'est que par exemple, il faut changer les trajets pour pas que les enfants se croisent. Bon, changer des trajets pour pas que les enfants se croisent, ça fait beaucoup de couloirs, ça fait beaucoup de lieux. On n'a pas ces lieux-là, c'est pas vrai. On n'a pas, en fait. Bon, et donc, on est là en train de dire, mais oui, il faut que l'école reprenne. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut y réfléchir. Et en même temps, en train d'expliquer aux gens, mais vous savez, c'est fort compliqué. Et puis, c'est aussi, quand les gens vont être confrontés à ça, ils prennent conscience que la vie a changé. C'est-à-dire, ce que j'ai constaté depuis 10 jours, où j'explique aux gens, ça va être plus compliqué, par exemple sur la cantine, c'est que les gens, ça les, pour être protégés du confinement, ils ont fait les choses au jour le jour. Et en fait, le 11, c'était la sortie, ils avaient bien tenu, ils voyaient. Bon. Et du coup, en fait, ce que nous, on leur explique, c'est ben non, en fait, ça va être compliqué même après. Et par exemple, les écoles maternelles, c'est juste, voilà, c'est infaisable. C'est, faut pas se mentir. Bon, c'est pas plus grave là où l'épidémie est très 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 faible et bon voilà. Mais faut pas se mentir, c'est pas vrai. Voilà, mais bon, il faut bien reprendre l'école. On reprendra dans une autre vie. On va tous reprendre nos vies. Voilà, mais au ralenti. Voilà, c'est ça qu'ils n'arrivent pas. Quand même, ça n'existe pas pour eux. Je continue d'ailleurs sur les questions pratiques. Il y a Julie qui demandait, est-ce que tu sais comment ça va se passer pour les accompagnements des élèves en situation de handicap?
Alors, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est tout ce qu'on va appeler les élèves dits fragiles. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, sans parler des personnels, puisque comme vous savez, il n'y a pas beaucoup d'embauches chez nous, donc le personnel est souvent vieillissant. Mais pour les élèves, il y a les élèves dits fragiles. Donc voilà, ceux-là, honnêtement, ils ne peuvent pas retourner à l'école, d'où la question de l'école en non-présentiel. Bon. Qui est importante pour nous, du coup, qu'il va falloir régler. La deuxième chose, c'est pour les élèves en situation de handicap, au regard de la manière dont ça va se passer, ça va être très compliqué. Mais si on s'était projeté sur la rentrée de septembre, tout de suite, on aurait vu le problème. Voilà, c'est en fait, en avançant à mai, ces problèmes-là, qui sont des problèmes de cas particuliers, mais absolument importants pour les familles, hein, voilà, j'en sais. Enfin, nous, on a des élèves, ils ont la mucoviscidose. Bon, de fait, ils ne peuvent pas venir. Toute cette chose-là a activé la question. Donc, les AVS, a priori, devraient revenir. Mais il y a une vraie question sur comment ça va se passer pour eux aussi. Quoi, parce que, ben voilà, parce que bon, c'est pas une école normale. Hein. Une école où on ne peut pas aller en récréation. Enfin, ce n'est pas une école normale. Quoi. Il y a une question aussi qui est posée sur YouTube et qui demande, à partir du moment où l'école elle est pas obligatoire, du coup, comment on va faire pour les examens, les contrôles? Alors, il y a la question du bac de manière spécifique, mais plus généralement, de la question de l'évaluation et du passage en classe supérieure, que ce soit en école primaire, en collège ou en lycée. Est-ce que ça, vous en avez déjà discuté aussi, de la manière dont ça allait se dérouler? Est-ce qu'on est en fin d'année scolaire? Non, parce que nous, en fait, la première mesure qui a été annoncée, qui pour nous est et pour les familles que ça concerne symboliquement forte, c'était il n'y aura pas d'examen. Bon, on va se débrouiller pour évaluer. Bon, on constate au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne n'a l'idée sur comment ça va se passer. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc il va y avoir une note, pas une note. Ce qui est certain, c'est qu'on ne reprendra pas les élèves pour les évaluer. Hein, la fameuse note de troisième trimestre, elle n'est pas envisageable. On va pas faire revenir des gamins masqués, etc., pour en plus leur donner un contrôle. Bon. Donc, ça, il faut déjà oublier. La deuxième chose, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait que nous, on discute de comment on va faire pour remettre en route et de savoir de là où on a laissé les choses. Bon. Alors, il y a des fois où ce qu'on a laissé, ce n'était pas essentiel, et puis il y a des fois où ce qu'on a laissé, c'est problématique, etc. Bon, mais ça, c'est ce qui va se poser à tous, même en fac, hein, ça va se poser. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas fait, on ne l'a pas fait. Bon, donc comment on fait pour le faire? Et là-dessus se pose la question de l'obligation scolaire. Parce que la fameuse note de motivation qui, au début, nous a hérissé parce que ça ne voulait rien dire, c'est qu'il y avait l'idée que, bon, écoutez, les gens, ils font comme ils peuvent. Voilà, ils font comme ils peuvent. Bon, et donc, à partir de là, ça chamboule complètement l'idée de qu'est-ce que c'est l'école et comment on apprend. Et nous, quelque part, ça nous intéresse aussi de se dire, bah, tiens, c'est vrai, comment on fait l'évaluation? Est-ce que c'était si important de mettre des notes? Pourquoi? Comment? Oui, est-ce que quand on disait, il faut absolument apprendre ça, c'est avec des programmes hyper lourds. Bon, ben, finalement, quand on y réfléchit, c'était quand même bien d'avoir du temps et d'être avec les élèves, de prendre le temps. Et là, c'est ce qui s'est passé aussi sur l'ordinateur. Bon, c'est-à-dire, finalement, on faisait des choses très faciles, les élèves, ils aimaient bien. Voilà, on avait du temps, y compris pour dire, bon, écoutez, on va aller à l'essentiel. Et l'école, les gamins, ils ont compris que l'école, justement, ce n'était pas que apprendre des choses. Mais ça pose pas, ça enlève pas la question de l'apprentissage. C'est-à-dire, au bout d'un moment, la continuité pédagogique, c'est toujours pareil avec ce gouvernement, ça n'existe pas. Est-ce que tu penses que, du coup, les programmes l'an prochain vont être adaptés en conséquence? Mais pour ça, maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Et il n'y en a pas à ta connaissance? Non. Alors, nous, on n'est pas consultés. Bon, mais ça, à la limite, on va dire, on est un peu habitués, hélas. Mais les autres non plus. Par exemple, l'affaire des E3C, il y a 10% de gamins de première qui, suite à nos luttes de protestation contre ce nouveau bac, n'ont pas passé. Pour le continuer, ouais. Tu sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Donc, en fait, ce qu'on constate, nous, c'est par exemple ce qui s'appelle chez nous les inspecteurs qui devraient répondre à ces questions. Ils ne le font pas, ils nous envoient des liens. C'est intéressant, regardez ce film. Bon, et ça ne règle pas le problème.
Et en fait, c'est un peu ça aussi qui nous inquiète, c'est qu'on a l'impression, je pense que les gens travaillent, hein, je ne veux pas dire, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas sur les choses, non, personne ne se pose la question. Et du coup, face à tout ça, il y a Allium qui demande une question pertinente et d'autant plus pertinente que d'autres acteurs politiques à droite ont répondu catégoriquement non. Je pense notamment à François Bayrou, tu vas voir où je vais en venir. La question, c'est est-ce que vous pensez que les professeurs devraient utiliser leur droit de retrait si les conditions sanitaires ne sont pas réunies? Alors, la réponse est oui. Mais pas simplement parce que, pas parce qu'on est des agents de la fonction publique, parce que c'est dangereux. Et c'est pour ça que nous, on parle du syndrome Buzyn. C'est-à-dire, quand on sait que quelque chose, qu'on ne doit pas faire quelque chose, voilà, quelle que soit la pression extérieure, si c'est une question de vie ou de mort, on ne doit pas le faire. Voilà. Et là, on en est un peu là aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui se passe sur les cantines. C'est-à-dire, les pouvoirs publics disent, il faut reprendre les cantines, et les chefs de cuisine disent non. Il n'y a pas de moyen de reprendre des cantines. Et donc, ils tiennent les gens, c'est un droit de retrait, en fait, tout seul, parce qu'on est chez nous, si en plus, tout seul, de dire, mais non, voilà, s'il n'y a pas de masque, et à terme, s'il n'y aura pas de test, il n'y aura pas de masque, en fait. S'il n'y a pas le minimum, on n'a pas de savon, nous, dans les écoles. Bon, voilà, ça ne sert à rien d'expliquer 10 fois par jour qu'il faut se laver les mains tant que le savon n'est pas arrivé. Et là, on est à 15 jours du truc et il n'y a pas de savon. Bon, ce n'est pas la peine de faire comme si ce n'était pas le cas. C'est le cas. Bon, voilà. Et donc, ce n'est même pas un droit de retrait, on va dire. C'est un droit de retrait parce que oui, c'est une question, y compris de vie et de mort. Alors, le problème du droit de retrait, c'est que c'est personnel. Enfin, c'est d'ailleurs c'est ça qui est bien, mais pour les personnels aussi. Parce que là, on n'a pas parlé des personnels fragiles. Mais eux, ils ne viendront pas. Et puis nous, syndicalement, on se bat pour qu'ils ne viennent pas. Et du coup, comment ça va se passer justement? Parce que, en effet, ces personnes fragiles ne vont pas venir, tels qu'ils soient dans la chaîne de l'éducation nationale, les enseignants, mais ça peut être à tous les niveaux, tous les métiers différents qu'il y a besoin pour ouvrir une école telle qu'elle soit. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à recenser, par exemple, dans ton établissement? Il y a essayé de trouver des solutions, parce que si c'est un enseignant qui ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait de ses élèves, sachant qu'on est censé avoir le moins d'élèves que d'habitude dans les classes, donc on ne peut pas les redispatcher ces élèves-là. Donc, est-ce que ça a déjà été abordé? Alors, nous, on avait lancé, je prends mon exemple parce qu'après c'est compliqué, hein, vu la période qu'on a eue, mais ça s'est fait très lycée par lycée. Nous, on avait déjà un problème de cas suspecté avant le confinement. Donc, en fait, ce qu'on a fait syndicalement, c'est qu'on a demandé une CHS extraordinaire et on a fait le bilan. Bon. On monte à 20 à 23% du personnel. Et je pense que ça va être à peu près les proportions, sachant qu'il y a la question de l'âge aussi, bon, qui n'est pas bien claire. Mais personne ne fait ça. De toute façon, il n'y a pas de médecine de la santé, il n'y a pas de santé du travail conséquente. Dans beaucoup d'institutions, mais dans la note particulièrement, donc personne ne le fait. Donc, du coup, c'est lié au directeur d'école, au proviseur, etc. Donc, ça nous pose un… C'est pour ça que, si tu veux, syndicalement, on dit, ben non, voilà, ils ne viendront pas et on aimerait bien avoir une liste. Comment on les remplace, c'est pas posé. Mais de toute façon, c'est comment on les remplace, y compris, il va falloir embaucher. C'est-à-dire, il faut régler l'affaire, les concours ont été reportés au mois de juillet, il faudrait faire des appels… Bon, on voit bien que ce n'est pas ce qui est en train de se mettre en place, mais il faudrait faire des appels à plus de personnel, et pas que pour l'école, en fait, pour tout le champ sanitaire qui va être confronté à cette question-là. Les surveillants, un surveillant dans un établissement, il reste 9 heures, il touche tous les carnets, il touche les élèves, il les fait rentrer, il les fait sortir. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est ce que je disais au début. C'est un chantier énorme, énorme. Et c'est vrai que, par exemple, nous, c'est pour ça qu'on est pour que la question de la reprise pédagogique soit y compris découpée de la reprise. C'est terrible qu'il ait fallu une crise comme celle-là pour que, finalement, on ait pu la pointer. Il y a une question assez pratique de quelqu'un qui nous suit sur YouTube qui nous dit « Avez-vous des réunions avec les responsables d'établissement pour préparer cette rentrée ? Comment ça se passe là ? Dis-nous un peu concrètement dans ton établissement. Vous avez fait des réunions à distance ? Alors, ça, ouais, dis-nous. Ouais, voilà. On a été un peu surpris en fait. Après l'annonce,
les syndicats se sont un peu mis au boulot et en fait, on a été surpris, mais on n'est pas le seul secteur, hein, par l'espèce de paralysie de nos institutions. Bon, y avait aussi une petite résistance passive des principaux, mais même des recteurs sur le thème, écoutez, arrêtez les annonces, laissez-nous, on va réfléchir. Il y avait un peu cette résistance passive. Ils préfèrent annoncer avant de réfléchir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même ceux qui sont habitués à cette pratique et qui nous la présentent comme quelque chose en marche, justement, ceux-là, ils commencent à dire, non, mais bon, c'est bon, arrêtez, non, jetez tout, quoi. Foutez-nous la paix déjà. Bon, voilà. Donc, il y avait un peu ce problème-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il va y avoir, les syndicats ont demandé des CHS, et vont demander ce qu'on appelle des conseils d'administration. Là où c'est plus compliqué, c'est sur les écoles qui sont beaucoup plus éclatées. Donc, il y a beaucoup de réunions de maîtres. Il va y avoir les décisions qui vont être prises comme ça. Donc, visiblement, sur les académies, ils ont reçu les syndicats. Ils ont été reçus nationalement. Mais bon, c'est très court. Et avec une espèce de sentiment que les gens nous écoutent. Enfin, les gens écoutent ce qu'on leur dit bon, et disent oui. Bon, et puis après, plus rien. Voilà. Nous, c'est ce qui nous a sur la cellule de veille sociale, d'urgence sociale. Oui, il faut la mettre en place. Oui, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Voilà. Et depuis, rien. Et donc, c'est un peu compliqué. Après, concrètement, moi, sur mon lycée, ce qu'on constate, c'est que les gens ne sont pas tous au même niveau de prise en compte de ce que ça va être. Bon, la plupart, c'est ouais, allez, c'est bon, on reprend nos élèves, on finit l'année, parce que bon, c'est ça la vie en fait, hein, c'est des gens qui aiment leur métier en général, voilà, bon, comme partout d'ailleurs. Et donc, on prend nos élèves, on y va, allez, ça va être trop bien. Bon, alors ceux-là, on casse un peu les rêves, quoi, mais il y a aussi maintenant, il va y avoir une discussion, une vraie question d'autogestion, si on peut dire le mot, enfin, de réflexion sur qu'est-ce que ça va être. Mais le 11, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens soient indulgents avec le monde. C'est-à-dire, le 11, c'est possible qu'on dise non parce que ce n'est pas possible. C'est ce que je dis. Là. J'imagine que c'est un institut qui répète. Les instituts n'arrêtent pas de dire, mais moi, je n'aurais pas de 2 mètres entre 2 élèves. Quoi, voilà. Éduquer, c'est répéter ce que m'a toujours dit ma mère. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un message à faire passer là, au gouvernement, depuis là où tu te situes, voilà, depuis ton établissement, l'ESTAC, Quartier Nord, Marseille, reprise de l'école le 11 mai, tu avais un message à leur faire passer. Alors, bon, malheureusement, je ne suis pas le gouvernement, mais je trouve que c'est l'occasion de le faire passer en disant, bah, voilà, moi, j'ai un message pour vous, ce serait quoi ? Ce serait que ceux qui sont pas les premiers de cordée et qui se battent depuis plusieurs années, voilà, c'est une triste revanche, en fait. Et moi, je suis surprise par cet amour soudain qui a touché tout notre gouvernement sur les fonctionnaires, les femmes, les jeunes des quartiers, etc. Et je pense que le message à faire passer, c'est... moi, j'aimerais que les gens se souviennent de ça. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, par exemple, nos élèves, ils nous parlent du métier de leurs parents. Moi, j'ai des élèves qui n'en parlent pas, qui ont toujours eu un peu honte de ce que faisait leur maman parce qu'elle s'occupe des personnes âgées, parce qu'ils sont éboueurs, etc. Voilà, parce qu'ils sont livreurs. Et ça, voilà, c'est ça qui fait ce pays. Ce n'est pas les premiers de cordée. C'est ça le message, en fait. Et donc, ça, il faut le bichonner, il faut le soigner, quoi. Voilà. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se fait depuis, hélas, trop longtemps. Exactement l'inverse. Et alors, cet amour de l'école, il faut le garder. L'école, c'est super. Il faut le protéger. Il faut embaucher. Il faut que les enfants soient heureux à l'école. Bon, je te promets, nous, on va continuer à se battre pour que l'école soit un lieu d'apprentissage et d'épanouissement, malgré les conditions, et que du coup, la reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles. On a essayé de brosser ce soir ensemble. Et vraiment, je te remercie pour le temps que tu as pris. Moi, je te remercie aussi. On a essayé de brosser ensemble les questions à la fois pratiques et politiques qui se posaient autour de la reprise de l'école le 11 mai. Et je trouve que tu as bien pointé les questions qui allaient au-delà de juste la reprise pratique, la manière dont ça allait se dérouler dans une salle de classe. Vraiment, merci pour ça. Et je reprends un commentaire qui est fait en direct et je dirais pas mieux. Et Séverine qui dit « Aimer son métier, c'est aussi vouloir le bien des enfants et vouloir les protéger ».
Et on aimerait avoir t'avoir tous en enseignante. Mais, voilà, il faut remercier tous les enseignants qui nous regardent, de la plus petite section jusqu'au plus grand âge, parce que voilà, vous n'êtes pas des ramasseurs de fraises, voilà, exactement. Mais vous êtes des ramasseurs de savoir, et ce savoir, on a besoin que vous le transmettiez, et on se rend compte dans les moments de crise aussi le rôle pivot que vous jouez dans la société. Et à n'en pas douter, les prochains mois seront un gros challenge pour vous, parce que malheureusement, l'impact de cette crise se fera ressentir dans le milieu scolaire, pas uniquement pendant quelques semaines, au-delà des modalités pratiques de reprise. Du coup, ce sera l'occasion de continuer à en discuter. En tout cas, bon courage. Merci. À toi pour aussi. La reprise le 11 mai. Tu nous donnes des nouvelles, comment ça se passe? Ça marche. Et puis, bah, merci à tous d'avoir suivi ce live en direct. Merci à vous tous qui avez posé des questions. J'espère que j'ai bien été votre porte-parole. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi sur le format, savoir si ça vous plaît, si ça fonctionne bien, si la technique fonctionne bien. Voilà, n'hésitez pas à le partager. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres aussi bons invités qu'Emmanuel, qui nous éclaircissent sur des questions spécifiques liées à la perspective du déconfinement. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis probablement, on se revoit et on se reparle vendredi. Merci encore, Emmanuel. Merci, très vite. Au revoir.